Le musée de Pont-Aven a été créé en 1985 pour permettre aux touristes en fait de rencontrer les œuvres des peintres de l'école de Pont-Aven. Et au fil du temps, la collection est arrivée au point de constituer un fonds de près de 4000 œuvres et documents. Et pour cette raison principale, et aussi parce que nous avons en moyenne avant les travaux jusqu'à 50 000 visiteurs par an, il a été décidé de créer un nouveau musée, deux fois plus grand, à la fois pour mieux montrer les œuvres et aussi offrir de nouveaux services à nos visiteurs. Où il est possible de s'affranchir de la représentation pour peindre l'esprit, la sensation. Le projet tel qu'il a été conçu a été réalisé par l'architecte L'Atelier de Lille. Ils ont pris le parti de rassembler trois corps de bâtiment, à la fois une aile de l'ancien musée qui est aujourd'hui la réserve, l'ancien hôtel Julia, le bâtiment le plus ancien de la fin du 19e siècle, réhabilité. Et puis ils ont ajouté cette aile contemporaine où nous sommes. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'était le jardin en cœur de musée qui donne finalement une respiration à tout cet espace assez minéral. Le jardin est inspiré d'une œuvre de Charles Filigère que nous conservons en collection permanente, Paysage rocheux, le Pouldu. Et c'est un tableau très emblématique du style, puisqu'on y retrouve les formes simplifiées, les traits de contour et les grands aplats de couleurs. Le musée s'organise selon différents étages. En fait, à chaque niveau correspond une fonction. On entre depuis la place Julia. On trouve là la librairie boutique, la banque d'accueil et le centre de ressources. Ensuite, on passe au niveau 1, qu'on appelle la salle Julia. En cet endroit, on trouve les lustres de Mathalie Crassé et aussi des petites tables pour se reposer, écrire une carte postale, consulter un ouvrage. Ensuite, on poursuit le parcours avec le deuxième étage, consacré aux expositions temporaires. Donc actuellement, c'est l'exposition des Rouards. Et on termine avec le troisième étage qui est complètement dédié à notre collection permanente. Et à cet endroit, les œuvres sont présentées sur des cimaises de couleurs et toutes les couleurs sont extraites du tableau Le Talisman peint par Sérusier au Bois d'Amour à Pont-Aven. La prochaine exposition commencera le 22 octobre prochain. Elle sera consacrée à la couverture photographique de ce chantier par le photographe Dominique Leroux. Pour nous, cette exposition, ce sera aussi une magnifique opportunité pour rendre hommage à tous ceux qui ont pu intervenir ici.